Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dracolo. On est toujours en multi, on est toujours avec Chobiti et Brodav. Salut vous deux. Salut. Salut. Et du coup, on va cliquer sur commencer de ce pas. Et on était sur une île à la recherche de nourriture parce que c'était la dèche. Il nous fallait absolument des graines pour pouvoir nourrir nos petits copains là. Sinon ils vont mourir. Putain, le truc, on atterrit juste à côté d'un mob, quoi. Ah, il nous a bloqué le chemin avec ses alarmes, là. Ouais. Il est parti où, ce con? Bon, on a moyen normalement de trouver des graines sur cette île. Et vu qu'on a une jardinière baignoire, là, ça peut être plus intéressant. Il y a un cimetière, ici. Wow, putain, je fais rien comme dégâts avec mon arme là, c'est le drame. Oh bah la mélo, je suis toute pourrie. Hein. J'espérais en trouver des mieux. Ouais, avant de mourir lamentablement. Mais non, on va pas mourir lamentablement. Bon, alors tu me fais chier, voilà, un coup de tromblon, ça calme le game. Moi de la bouffe. On a perdu Brodav. Ouais, j'ai trouvé des buissons avec des racines autour, alors j'étais prendre les baies. Ah bah nickel. Ouais, j'ai trouvé des briques. Des briques. Ok. Bon, pendant qu'on y est, on va se débarrasser des ronces. J'explique aux ennemis les bienfaits du rock avec ma guitare. Ah, tu sais que Chobiti a vu qu'il y a un succès pour ça. Si tu blesses des ennemis avec une guitare et l'amélioration d'électricité, ça te donne un succès. Ah ok. Qui donne Ah la guitare électrique électrifiée. Ouais, la guitare électrifiée. Putain, je suis tombé dans l'eau. Et j'ai pas de... Oups. Ah. Non mais tant pis. J'imagine que c'est un oups. Ah oui, un oups. Non, mais je vais me ranimer au camp comme ça, je pourrais mettre mes briques de jus. Bah, si tu veux, mais fais juste gaffe, ça va casser tes. Ah putain, oui, il y a un plan en plein milieu de nulle part, quoi. Merde, où est-ce que je monte maintenant? Ah bah, en fait, t'es tombé au même endroit que moi j'étais tombé. Bah, oui, j'imagine, t'as vu le plan toi aussi, non? Oui. Oui, voilà. Tu dis, tiens, un plan. Et bam! Le piège! Oh, j'en profite, je vais faire des câlins. Cool. Écoute, si tu veux éventuellement voir si Monsieur Pi il a pas quelques petites graines qui seraient adéquates de nous vendre, ça pourrait peut-être être pas mal pour mettre dans la jardinière. J'en profite pour les soigner, nos copains. Bah oui, si tu veux, ouais. Et je vois pas où il est votre plan. Non, je l'ai ramassé. Il était. Il était en bas là sur un rocher piège là. Ah ok. En fait il fallait sauter sur le rocher, ramasser le plan et après t'as pas le choix de descendre dans la flotte quoi. Le petit truc de fouine. Il reste des choses là Il reste des champignons. Ah non, c'est l'icône des ronces, d'accord. Ouais, il reste une ronce. Gary Bor, il me montre son bidou tout triste. En mode j'ai faim. Eh bien écoute, on fait ce qu'on peut. Ouais, je vais voir Monsieur Pi. Je pense que c'est le mot, hein, on fait ce qu'on peut. Ah putain, il y a l'autre con ici. Bonjour Monsieur Pi. J'ai trouvé la dernière ronce, mais elle est dans les terres. Ah merde, c'est chiant ça. Attends, regarde, reviens en arrière. Ah merde, putain, je vais aller vers Chobiti, excuse-moi. C'est vers toi qu'il faut que j'aille. Je suis là. Ah, il y a une note là. Cool. Ouais. Et en fait, elle est là, la dernière ronce, je pense. Alors, pour le petit speech, hein, Sarah O, c'est apparemment quelqu'un qui est passé avant nous ici et qui avait aidé les Dragors déjà à l'époque. Non, on est obligé d'être dans les terres pour la taper. Ah ouais, c'est chiant ça. Attends, je vais refabriquer des trucs et je vais activer...
Eh ben le cygne, c'est un peu la cata, on n'a pas assez de cuillères pour troquer avec monsieur. Eh ben écoute, on va nettoyer cette île et puis on arrive du coup. C'est bon, t'as ramassé le loot? Ok. Du coup j'ai acheté 2 graines mais on n'a pas plus. Bah écoute, ça sera toujours ça, 2 graines. Hein. Si on va jusqu'ici là, on a moyen de rentrer. T'as trouvé des graines, Brodaf, toi, sur toi? Je ne crois pas, je vais vérifier. Oui, j'ai 3 graines, 2 de choux et 1 de carotte. Bah j'ai 1 graine de carotte, bah écoute, on va déjà rentrer avec ça avant qu'il crève de faim, je propose. Ouais. Je me mets sur la plage, et puis on va courir jusqu'en face pour prendre les trucs. Ça marche. Prêt? Ouais. C'est parti. De toute façon, je leur fais des câlins, ils vont pas mourir de faim. Ouais, mais bon, tu vas pas leur faire des câlins sans temps. Putain, y'a un truc là. Non, il court ce con. Il a raté. Ah, je vais crever. Merde. Je vais te ressusciter ou tu préfères retourner directement? Non, ressuscite-moi, j'ai déjà pas beaucoup d'armes, ça me ferait chier que. Ah, y'a un autre copain. Beaucoup. Voilà, normalement, on peut prendre ça pour rentrer maintenant. C'est parti. Merde, échec, je me suis planté de sens. C'était pas le bon. Hop là. Et là, normalement, c'est à gauche, ici. Eh ben, ça, je suis tombé dans les terres. J'ai crevé. Ah merde, t'es à 300 mètres, t'es trop loin. Bah, je vais revenir directement, alors. T'es sûr? Sinon, attends, Non, mais enfin, j'étais trop loin pour que je te sauve, mais je peux te récupérer ton cadavre, peut-être. Non, c'est bon. Je vois pas ta tombe, zut. T'as ressuscité, déjà? Je me ressuscité, ouais. T'as un cadeau, toi. Merde. Attends, hop, on va mettre ça dans le chaudron. Cours, cours, petit cours. Bon, en avant, on repart. Voilà, j'ai mis toutes mes graines dans la baignoire. Parfait. Et les jardinières, pas baignoire, sont absolument pas rentables en fait. J'ai fait une autre partie pour tester où j'ai pu les nourrir avec des baies. Jusqu'à ce que je débloque les jardinières et du coup j'ai dépensé aucune graine dans les jardinières normales, j'ai juste fait des jardinières baignoires, c'est carrément plus rentable. Bah là on est en positif en eau et en bouffe, y'a que le divertissement qui pose problème. Mais du coup on t'en démonte une de jardinière. Ah bah vous pouvez les démonter, ouais. Les autres démontez-les, ouais. Ça évitera qu'on les utilise. J'arrive, je suis bientôt là. Comment qu'on fait pour démonter? Avec X. Ouais, tu fais X et puis ça t'ouvre le truc de... Et après tu pourras faire E pour inspecter ton... Hop. Effectivement, ils ont un peu souffert. Ouais. Et pourtant je leur fais des câlins puis en permanence depuis tout à l'heure. Ouais, bah ouais, je me doute bien, mais... Voilà, on va faire un petit câlin nous aussi. Que les viewers puissent voir à quel point on est du genre gentil. Bah non, parce que tu leur fais un câlin, ils sont contents, et après ils te montent leur bidou en mode « Oh là là, fin !» Eh bah oui, bah c'est la vie, hein, que veux-tu. Hop, on achète je du grain. Je vais réparer les clôtures. Ça les fera travailler un peu. Ah, ça coûte cher les graines, là. On a un arc. Mine de rien, il y en a qui avaient pas mal morflé. Est-ce qu'on pourrait pas faire une deuxième jardinière du coup? Bah la première elle est pas à fond en termes de graines dedans. Elle est pas à fond mais je vais la remplir là. Voilà. Pas du tout de truc qu'on peut pousser ici. Parfait, on a ce qu'il faut. On va la mettre comme ça. Hop. Allez bougez-vous, venez me construire ça. Là, l'atelier. Il est presque mort. L'atelier normal? Ouais, l'atelier normal, ouais. Faut le démonter limite. Je l'ai fait réparer. Mince.
Bah, de toute façon, on le démontrera. En fait, on peut faire tout ce qu'il faut dans l'atelier avancé. Il n'y a pas besoin d'avoir les deux. Hop. Alors, moi, je suis là avec mon tuyau à attendre là. Ah, c'est tellement la dèche. Ouais, t'as pas de bec en repoussé à proximité, donc... Hey, j'ai eu le succès main verte. Oh. Ah oui, tu les as soignés. Faisons un peu le tour, là. Non, toi t'es blessé, mais tu vas t'en remettre. Non, tu vas pas t'en remettre. Merde. Viens ici, toi. Allez. On le soigne, voilà, en plus c'est un grand, c'est un con qui meurt. C'est lequel qui donne les chances de loot? C'est celui qui a chanceux, si tu fais X tu dois le voir normalement. Résistant à l'éther, mur de fer, ça fait quoi ça, mur de fer? 10% de réduction des dégâts, c'est pas mal, on a pas de régénération. C'est chanceux hein. C'est chanceux, c'est, ouais, c'est ça. Non, pas le lit. L'autre il se planque en dessous là, Ripor là. Ripor, qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie toi? 5% d'évitement des dégâts. Ouais, pourquoi pas. On n'a pas de régénération, hein, clairement. Est-ce qu'on ferait... Il y a un raid dans 8 minutes, un peu moins. Ouais. Le rituel, on va le faire après le raid. Le rituel, avant de le faire, j'aimerais bien qu'on ait... en tout cas, moi, j'aimerais bien avoir des armes un peu plus potables que ça. Mon arme à moi... Enfin, ouais, mes armes à moi, elles sont aussi toutes pourries. Parce que là, franchement, le petit truc tout bidon, c'est juste pas possible. Quoi. Je vais refaire un ballon de yoga. Ah, si on a assez, ouais. Bonne idée. Il y a zéro bec en repoussé à proximité, quoi. C'est un peu... Ouais, c'est un peu la loose. Vide. Allez, on va quand même mettre quelques baies d'acté là. Il n'y a rien à manger là, hein. Non. Ouais, non, je pensais qu'on valait peut-être mieux garder la table, dans le sens que la table avancée, elle est bien, mais si, pour une raison ou pour une autre, t'as plus d'électricité, tu pourras pas construire. Bah non, parce que si tu... Une fois que tu l'as construit une fois, tu peux le construire sans avoir besoin de la table, donc il y a peu de chance qu'on ait un truc urgent à construire, quoi. Et en même temps, l'électricité, tu peux marcher toi-même sur le tapis de course pour en faire de l'électricité. Ah, tu vois, si par exemple le tapis il se fait détruire, un truc du genre, quoi, mais... Ça me paraît quand même... Enfin, je vois pas en quoi on peut avoir besoin en urgence de l'atelier, en fait. Mmh. Je suis en train de montrer aux viewers dans le statut du camp, les besoins en sommeil, en lassitude, et, etc., des dracors. Et leur affinité avec les... Les différents cristaux. Les cristaux. Et donc c'est marrant parce que le Amor là, c'est les structures du coin qui résistent mieux, c'est un buff qui peuvent pour toi en fait. Ouais. Je sais que j'en ai vu un dans une de mes parties où il génère de la... des unités de divertissement. Ah, c'est cool ça. C'est carrément cool. Sécurisez vos contacts avec un relais. On pourrait faire des clôtures aussi, un peu plus badass. Oh, j'ai un pistolet à clous. Il y a un truc à bombe à eau dans le dépôt si jamais vous voulez. Je sais pas si ça sera bien utile, mais... T'es pas encore tout soigné, toi? Bah, il a rien, il est redevenu. Non, c'est bon, il remonte. Non, sa vie remonte toute seule. Et tant mieux. Bon, par contre, je sais pas si ça va durer longtemps, mais.
Pareil, je leur ai mis. J'avais quelques trucs sur moi, je leur ai mis dans le. Dans le chaudron. Alors, niveau équipement. Ouais. C'est pas fifou. Ah, mais j'ai plus qu'une seule arme. Ouais, non, il me faut plus là. J'ai vu qu'il y avait un truc là. Hop, la débroussailleuse, on prend. C'est pas fifou, mais au moins on se retrouvera pas à main nue. Tu construis des trucs dans les terres, Brodaf? Non, non. Je suis en train de juste regarder la liste. Ah. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai plus une thune, quoi. Est-ce que t'as des baguettes de sourcier ou pas? Je crois que j'en ai faites. Ouais, j'en ai faites, ouais. Que sinon, je peux en faire. Non, non, j'en ai faites. Mais ça sert que dans les îles, pas dans le contexte, là. J'ai plein de débris de garniture qui servent à rien dans mon inventaire. On les virait. Le reste, on le garde, par contre. Alors, j'ai un vaporisateur de désherbant amélioré. Je suis pas sûr que ça mette des masses. Avant d'aller dormir, toi. Parle-moi. Voilà. Mais non, mais t'as pas faim, c'est bon. Ah, celui-ci fait son petit exercice quotidien. Bah après ce raid, il va falloir repartir chercher de la nourriture, c'est chiant. C'est un peu la déche. Est-ce qu'on voit des îles intéressantes? Alors, là il y a un petit peu de quoi bouffer. On pourrait y aller à pied et en profiter pour ramasser... ramasser des trucs bah, aussi. Sur hein. Essence de ville, qui est celle qui est... juste au-dessus, ouais. Juste ce que je vois, il y a plein de trucs. Ouais. En plus... Il y a un petit peu, ouais. C'est la nuit, donc on a moyen de voir les champignons. Et après, on pourrait la relier jusqu'à Thatcher Island, où là, tu aurais en plus des roseaux. C'est ce que je voyais, ça, c'est assez intéressant. Mais faudrait qu'il y en ait au moins un qui aille maintenant pour pouvoir récupérer des champignons avant qu'il fasse plus nuit. C'est laquelle ? J'ai mis un marqueur. Est-ce que vous voulez que j'y aille et vous faites le raid ou... Enfin, il faut qu'il y ait quelqu'un déjà qui ait des cristaux d'éther pour y aller. J'y vais, j'en ai... Okay. Je m'en suis fait du coup. Bon bah parfait, on est bien équipé. Mais je suis pas nickel niveau arme. Bah on va compter sur Brodaf pour le ravitaillement et nous on va tenir le camp face aux méchants du coup. On avait suffisamment de lits, oui. Est-ce qu'on peut upgrader les clôtures? Non, faut les remplacer. Non, il faut. Et le flipper, il faut toujours des circuits électroniques, quoi. On peut pas le faire. Ça, je vais le démonter. Hop, voilà. T'as plus d'eau, toi? Ah si, t'as de l'eau. Bon, allez, c'est rechargé. On va voir, il se passe quoi dans 5 secondes, du coup. Pas grand chose. Bah visuellement non, mais après ça te génère une unité quoi. Ouais, mais ça c'est pas apparu dans le dans la j'ai réserve et quelques champis, ils sont où les autres? Bah il va faire jour donc tu vas bientôt plus les voir. Les champis toxiques on peut les voir que la nuit en fait. J'ai pris tous les champis en fait. Ah bah cool. Ça c'est cool. Allez, 5. Allez, raid. J'ai pris un peu de millefeuille aussi, je sais pas trop à quoi il sert. Bon, ça servira toujours, je m'inquiète pas. Oui. Alors, où est-ce qu'ils sont les méchants? Pour l'instant, ils sont en masse. Là-bas. Oh putain, ils arrivent en masse. Petit con. Oh, avec des gros en plus. Putain.
spécialité. Pourquoi tu veux pas tirer, mec? J'arrive pour vous aider. T'en fais pas, t'en fais pas. Quoi que 17 ennemis, ça fait quand même du nombre. Hein. Attends. Ouais. Ouf, qui c'est qui m'a tapé là? Confirme que mes armes sont toutes pourries. Ouais, on est un peu surclassé là en termes d'équipement. Là. Je vois pas comment on peut dire ça autrement. Oula, y'a un gros là. Putain, 10! Ah ouais, c'est la teuf là. Hein. Oups! C'est dans ta tombe, quoi. Oh, et ben, même pas un petit peu de graines. Ah, t'as un cadeau, toi. C'est quoi ton cadeau? Oh, je veux une arme, je veux un cadeau, je veux une arme. Il m'a donné une malachite taillée. Parfait. Parfait, je sais pas, mais... Bah, si t'as un dragor qui est adolescent et qui mange de la malachite, ben, ça sera utile. Ouais. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Ah bah tiens, j'en avais une aussi, de malachite. Bon, bah, je propose de repartir tout de suite... chercher de la bouffe. Ouais. Du coup, t'avais vidé les deux îles. Non, t'avais pas vidé Thatcher Island encore. Donc on peut pire aller jusqu'à Thatcher Island. Ensuite, on va au chemin des Patriotes. Ah, il y a deux chemins des Patriotes, tiens, intéressant. Et après, on va sur l'île inconnue à droite. Ouais, il y a plein de graines. Il y a des briques de vue. Je peux pas refaire des gîtes et il m'en reste qu'une. De toute façon, on va y aller tous ensemble, on va essayer d'économiser. Ouais, ouais, vous inquiétez pas, je vois. J'en ai quelques-unes encore. Je vous attends sur la plage. Avec les cocotiers? C'est pas trop le genre de la maison. Mais ouais, c'est clair qu'il faudrait qu'on... Fasse des cocotiers? Non. Allez, c'est parti. Il faudrait qu'on arrive à trouver de l'équipement un peu plus efficace, quoi. Donc normalement cette île là il n'y a rien de fifou, on va pouvoir passer à la suivante dans la foulée. Alors je vérifie, c'est bien celle-là. Hein. Qui est la voiture? Oui. Ouais ouais là, ouais, là je pense que depuis longtemps. Go. Ouais, il y a des graines, il y a des graines, il y a des baies. Donnez-moi les baies, donnez-moi les baies. Chobiti, elle charge dans les terres, rien à foutre des baies. Voilà, il y avait un ennemi là. Tiens, crève. On va enlever le petit marqueur. Hop là. Alors, je vais partir de l'autre côté pour voir. Attends, on a déjà tout pillé, hein. Il n'y a déjà plus rien quoi. Enfin, il y a des champis, mais on les verra pas vu qu'il fait jour. Il y en a déjà tout pillé. Il y a un peu de jonc de roseau. Ouais, mais il mange pas le roseau. Non. Le roseau, ça peut être intéressant pour le vendre au piaf là. Alors, au-dessus du chemin des Patriotes, y a rien, du coup, je proposerais. Alors, est-ce qu'on va là? On y va à pied. Ouais, on va ici là, on traverse. Ok, j'arrive. T'es où? Je suis pas parti, pas de panique. Faire des petits. Et t'as vu, je me suis mis en jaune, comme ça vous me voyez et vous me perdez pas. Allez, go. Hop là. Ah, y a un méchant là, mais il est dans les terres. Voir. Ah, carrément, le coup de tromblon quoi. Ouais, bah c'est le plus efficace, le coup de tromblon dans la tronche. Je l'avais pas vu du coup ce truc. Bah ouais, non, je l'avais pas vu, non.
Je vous avais entendu faire parler d'un hôtel de supermarché. J'ai un balai à deux pailles si vous voulez, mais les DPS c'est pas fifou. Ouais, non, je pense que c'est. En fait, faut qu'on trouve des armes vertes quoi. Y a pas d'autre alternative. Du coup, faudrait qu'on passe sur le chemin des patriotes en face. Y avait rien de façon sur cette île. Y a des champis, mais il faudrait qu'il fasse nuit. Du coup, je comprends mieux l'intérêt des objets qui font venir la nuit, quoi. Si on veut fouiller pour les champis, on va aller vers la petite passerelle. J'attends Bouddha, c'est oui, bon. Oui, mais c'est bon, j'attends tout le monde, bien sûr. Allez, go. Quoi, Bouddha, tu t'es arrêté. C'est bon. Non mais je te rattraperai toi alors que Rodolphe il pourra pas nous rattraper. Tac. Ah attends, ils sont de nouveau affamés quoi, c'est ouf. Ici il y avait rien sur cette île. Ouais, il y a quelques baies peut-être, on va tout de suite. Normalement il y a des baies. À mon avis, c'est histoire de dire qu'il y a des baies quoi. T'as en avoir une ou deux qui se battent en duel. Moi je passerai bien directement sur la suivante. Fragment de pierre de lune. Il fuit. Ouais, les croqueurs, ils sont lâches les croqueurs. Quelle magnifique débroussailleuse, ça donne envie de lui mettre une lame et d'utiliser avec le moteur, mais... Malheureusement, je crois pas que ce soit une option. Des baies. Je vois des chiottes là-bas. On l'a fini cette zone ou... Non, on a peut-être pas fini cette zone. Bah si, si, on a fini cette zone complètement. Il y a juste. Il reste des baies, normalement. Il reste juste des baies éventuellement, mais. Et la nuit des champis. Je suis pas sûr que ça vaille bien le coup. Ouais, des baies. 1, 2, 3. Allez, tenez les baies. 3 baies. Hop, voilà. Comme ça on a un peu de bois. Je vous attends sur la passerelle de sortie si vous voulez. Donc on y va. Attends, non, je bois un coup. À la même qu'on est rentré en fait. Non, pas la même qu'on est rentré. Faut voir le sens de l'orientation. Vous me dites quand c'est bon pour vous. Bon. C'est bon. C'est parti. On va tout droit, j'imagine. Ouais, on va tout droit, pas plus court. Sur l'île qui est infestée, il y a un chiotte. Bah oui, je vous ai dit, je voyais un chiotte. Vous croyez jamais. Ah, on les a activés. Attention, ils chargent. Bon, le petit effet de flou il est sympathique, mais faut avouer que du coup, visuellement, c'est plus compliqué. Attends, elle va finir par claquer ma débroussailleuse. Oui, plein de graines. Merci quoi. Alors, cette petite ville là, est-ce qu'il y a des trucs cool dedans? Alors, moi je préviens, s'il y a une des arme du cac, je vais avoir besoin. Bah, vas-y, mais si tu trouves des trucs, tu peux les garder, hein, y a pas de souci. Pour l'instant, je fais le tour. Je peux t'en passer des armes si tu veux, je crois que j'en ai encore d'autres. Au moins on aura chopé quelques graines. Ah, ici il y a une cache. Qu'est-ce qui vient? T'es où? Oh, t'es là. T'es ouf. Ouf.
Alors j'ai plus du tout de flèches. Ah, j'ai un pied de table vert aussi, ça c'est cool. On va finir les petits objets pourris sur les ronces. Je sais pas comment est-ce que je l'ai trouvé, mais en tout cas, c'est bon à prendre. Ici, un truc. Ouais, les graines de carottes. Ouais, ça fait plaisir, il y a de quoi bouffer sur cette île là. Ouais. Vous êtes allé dans la maison un peu encore ? J'ai fait un petit tour, mais j'ai peut-être pas tout pris dedans. Et il y a le chat ici. Ah, et le chat fantôme. Ouais. Chat fantôme. Bourdaf, au-dessus du frigo. Ah ouais. Bah il y a une, ah, une main en mouche là. Personne la prend. Je l'ai prise. Bah, écoute. Mais je vais la redonner à Chobiti. Moi j'ai pris un hachoir. Ouais, un hachoir. Ah. Ouais, Brodef, t'as oublié d'enlever ton partage d'écran, du coup je te vois à côté. En différé. Allez, encore une ronce. Petite patte de baseball, elle a bien vieilli là. Mais bon, faut la finir. C'était un œil au camp, ils en sont où niveau de vie là? On voit leur vie. Non, ça c'est la jauge de... On voit pas leur vie. Ah putain, ça se trouve ils sont en train de crever, mais on sait pas en fait. Bah si, normalement tu peux le voir. Avec ton si, si. Bah je vois pas... Je vois pas la jauge de vie moi. Je vois qu'ils ont faim. Bah si, regarde, tu le regardes... Ah non, tu peux pas les regarder chacun, oui, effectivement, t'as pas de vie. Ah oui, non, mais pour moi, t'as pas de vie, effectivement. Bah après, normalement, tu vas avoir une pop-up hein, qui va te le dire s'ils sont en train de crever. Oui, si, s'il est en train de mourir... On a trouvé la dernière ronce ou pas? Ah, il en reste une? Il en reste une, ouais. Elle est là. Tiens, mange petite ronce. GG. 3 graines de chou en récompense, parfait. Alors, est-ce qu'il reste des trucs du coup? Ouais. Pourquoi pas? Il reste des briques de jus a priori. Jus. Alors ce que je peux faire c'est activer une petite barrière de sourcier. Est-ce que vous allez voir ce qu'il y a dedans? Oui, il y a deux objets là. Je sais pas ce que c'est, mais moi je vois deux objets. Et il y en a trois derrière. Des champis, il fait nuit, il y a des champis. Putain, il y en avait deux, tu te fous de ma gueule. Il y avait deux champis quoi. Il a des roseaux. La tristesse. Il reste encore... Ah mais ça doit être sur le toit, ça doit être dans le grenier les trucs là. Bah, je veux bien. Mais bah, rien, c'est là qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait Chobiti. Hop, hop, et hop. Ah, il faut. Putain. Faut réussir à sauter quoi. Ah bah, faut réussir à sauter, ça c'est sûr. Et y'a un plan en plus, parfait. Faut pas sauter, ma madame. Là-bas. Nickel, on est bien. Bon bah c'est fini pour cette île. J'arrive pas à sauter. Ah oui, c'est vide de chez vide là. Je foncerais bien remettre un peu de bouffe avant de repartir. Sinon ils vont finir par crever. J'arrive pas à sauter. Oh, ils mettent du temps avant de crever quand même. Ah ouais? Ouais, je sais pas. J'en ai jamais aucun qui est mort donc du coup. De toute façon ouais, comme disait Chobiti, quand il commence à avoir perdu trop de vie, tu as une petite pop-up sur la droite. Hein. Bah si vous le sentez, on peut aller se faire une autre île. Hein. Bon de toute façon faut qu'on retourne sur le chemin des patriotes quoi qu'il arrive. Mais viens là Chobiti, là, on va perdre les champis sinon. J'arrive. Tu l'as. Ouais. Go. Bah alors, vous me dites de courir, je cours pas. Vous courez pas. Je vous laisse passer devant, allez-y. Hop là. Parce que mine de rien, la nuit passe. Hein. Champi, donnez-vous des champis. Je pars sur la droite. Pas de champi dans la maison, c'est pas possible. Ah, des wouh! Au secours, des wouh!
Des où? Des champignons. C'est bon, on a tout fait dans cette île maintenant. Et bah du coup, vous voulez qu'on passe à la suivante, on va pas refiler de la nourriture pendant ce temps-là. Oh, attends. Tant qu'il réclame pas. Aïe. Cela dit, une petite session soin ferait certainement pas de mal, mais... Alors où est-ce qu'on peut descendre ici? Là c'est dans les terres, ici il y a un chemin. Ouais, c'est pas fifou, on va courir. Dites quand vous êtes prêts. Ouais. Ouais. Go. Je vous laisse prendre un petit peu d'avance et je cours. Arrêtez pas, vous arrêtez pas, vous arrêtez pas. Et je me suis cogné dans toi. En fait ouais, c'est ça. C'est le problème, c'est sûr. Allez, on y est. Hop. Alors, par où on monte? Il y a déjà un peu de ronces. Je me fais peut-être me soigner parce que ça me fait un peu chier ce bruit de... J'ai pas fait le tour dans le même sens que vous. Ouf! Le petit fumier. Finalement, je laisse finir le truc, je m'occupe de lui. C'est fait. Aïe! Merde! Aïe, putain. Les explosions là. C'est tout. C'est de vous retrouver. Ouh, peut-être là. Ouh. Tiens, mange. Faut jouer au baseball avec lui quoi. Oups. Merci. On t'a ranimé normalement. Ah, je t'ai suivi. Qu'est-ce qui se passe? On a glissé. T'inquiète. Ah, je m'inquiète pas. Bon, moi, je m'inquiète non, pas. Tu t'inquiètes pas, on va aller. Non, c'est, c'est par là, Shobi. Non, non, mais viens. Shobi. Viens. Je vais te montrer un truc. Ah, il y a un plan de l'autre côté là. Ah non, l'échec. T'as pas réussi à sauter? Non. Je me suis lamentablement foiré, je pense qu'on peut utiliser ce terme. Ouais. Vous avez tout récupéré sur le pont? Ouais, faut vraiment courir en fait. Sinon ça passe pas. Ah bah non, vous avez pas tout récupéré sur le pont. Ah oui, il y a un truc en haut du bus, j'avais pas vu. Bon bah je te laisse les ramasser, Bourdaf. C'est bon. Nickel. Hop là, on va du coup continuons d'explorer. Ici il y a des ronces là. J'arrive pas à sauter. Oh, une seule brique de jus dans les caisses, vous êtes sérieux? On peut avoir quelqu'un qui sait sauter pour récupérer le truc sur le toit du. Ah, Ripor est en train de mourir de faim. Voilà, ça commence. Ouais, mais alors là, du coup, ça veut dire qu'il faut que je me téléporte, quoi. Mais j'ai pas le temps de courir. Oh, t'es pas obligé. T'as une barre, il est à la moitié. Qu'on a moyen, je pense, de finir l'île en vitesse et de se. C'est grande cette île. Hein. Ouais. Puis il y a une embuscade sur le pont là, qui est du genre badass aussi. Bah, c'est le truc un peu chiant, c'est que quand t'as déjà fait l'île, tu sais à quoi t'attendre. Ouais, alors là d'ailleurs on a fait des tests du coup avec Shobiti et en fait les îles sont placées aléatoirement mais globalement c'est les mêmes. Oh putain. C'est où tu voulais qu'on saute, Shobiti? Non mais c'est pas grave. T'as réussi? Y'avait rien ouais. Enfin oui, j'ai réussi à sauter toute seule finalement. Alors du coup on va aller par là-bas. Il y a une note là. Est-ce qu'on a le temps de finir l'île? Au moins de la des. Oh, il reste. Je suis en train de taper la dernière racine. Ah bah cool. Bien joué. Hop. Et donc du coup, l'embuscade elle est en haut. Oh. Je le prends.
Nyaf. Vas-y, vas-y. Il y a une crosse. Bah prends-la, vas-y. Non, je peux plus, j'ai trop d'armes. Trop d'armes. Oh, bah attends, bah elle est où? Je vais jeter mes trucs roule, mes trucs tout pété. Merdique. Dans l'escalier. Et là, t'as une hachette aussi. Dans l'escalier, je la vois pas. Hachette de pionnier ordinaire à DPS 80, tu la prends pas, Chobiti? J'ai pas vu, voilà. Où ça? J'ai ramassé une queue de billard. Juste moi. À côté de toi, quand t'étais en train de regarder la note. On la voit pas, en fait. Non, mais je la vois pas. Non, mais c'est possible que les armes, par contre, soient... Ah, alors attends. J'ai... Je vais me débarrasser d'une de mes armes. Il reste plus qu'un tiers de vie à Reaper. Ouais, il va falloir y aller, là. Soit on fait l'embuscade vite fait, soit on se tire, mais... Ouais, une main en mousse. Haha, je t'ai pris ta main en mousse. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre. Ok. Allez, il y a quand même encore un kilomètre à marcher, là. Même si on va pouvoir prendre le trajet. En plus, Reaper, je crois que c'est lui qui donne le bonus de loot, donc ce serait con qu'il meure. C'est à peur, on peut peut-être faire une... Je peux me TP après, mais je vous laisse un peu dans la mouise, quoi. Bah, est-ce que... Ah, parce que moi, j'ai qu'un égide, moi. Peut-être que je peux en refaire, mais... Bon, vous êtes prêts? Attends, ouais. J'étais pas prêt. Oui, c'est bon. Putain, j'étais pas prêt. Allez, on court. C'est bon. On court. Là, on arrive sur l'île où il y a le trajet de camion, là, donc... Ouais, camion vu. Allez, go. Allez, Reaper, tiens, bon. On arrive. Y a un sens pour travailler sur ce truc. Ah bon. Et go. J'appuie le signe. Pour savoir dans quel sens il faut tourner. C'est ici que je me paume à chaque fois. Gauche. Putain, c'est loin. Encore 600 mètres. En plus, l'épisode est beaucoup trop long. On arrête. On va aller sauver Reaper. On va sauver Reaper. Ça se trouve qu'on voit pas la jauge quand on est sur ce truc. On va arriver, il sera mort, quoi. Ça serait chaud. Reaper, tu es là. Reaper. Coucou Reaper. Bah oui, t'as faim. Bah oui. Voilà, on le soigne. Hop là. Je fais un câlin pipling aussi. Moi je l'aurais mis à bouffer. Pareil. On va remplir les jardinières. Reste de la place. Voilà. Ouh, t'es quasiment mort toi aussi là. Giplette là. Viens ici toi. Mais arrête de jouer sur ta barrière et descends s'il te plaît. À mort. Ah, c'est celui-là que t'as trouvé. Oh, en plus, il a un cadeau. Déjà, je le soigne. Je prends chaque chose en son temps. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. On va arrêter l'épisode là, du coup. On a sauvé tout le monde. On va peut-être même pouvoir commencer à faire du stock en plus. Bah, il me reste encore des graines, moi. J'ai pas pu tout mettre dans les jardinières. Mets-les dans le dépôt et puis on sera bien, je pense. Hein. On peut faire une troisième jardinière. Ils vont aller chercher dans le dépôt quand on... Non, ils vont pas aller chercher dans le dépôt, mais je construirai une troisième jardinière. À la place. Mais faut qu'on arrête l'épisode là, il est beaucoup trop long. Du coup, ça marche. On peut pas mettre pause, donc on se fait ça à la fraîche. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à aller voir le point de vue de Bruda sur la chaîne de 119 minutes. Ou le mien si vous êtes sur la chaîne de 119 minutes comme d'habitude. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt, mais voilà, pour la suite. Bye bye, bye, bye.